كيف نقول لقد بحثت؟ يعني لقد فتشت في كل مكان للعثور على دفتر شيكاتي، لكنني أخشى أن أكون قد أضعته. Oui, très bien. J'ai cherché partout pour retrouver mon chéquier, mais j'ai peur de l'avoir perdu. J'ai cherché partout pour retrouver mon chéquier, mais j'ai peur de l'avoir perdu. On peut dire aussi, j'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. Je répète, j'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. On a le verbe fouiller, معناه يفتش يعني يبحث. On a aussi le verbe craindre, معناه يخشى. J'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. الآن أصدقائي كيف نقول أنا لم أوافق على الإطلاق لكن كان علي القبول ولم يكن لدي خيار. Oui, très bien. Je n'étais pas d'accord du tout, mais j'ai dû accepter. Je n'avais pas le choix. Je n'étais pas d'accord du tout, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. On peut dire, je n'étais pas du tout d'accord, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. C'est la même chose. الآن كيف نقول علي أن أتذكر أن أتصل بوالدتي وإلا ستقلق أو وإلا سوف تقلق. نعم أحسنت. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. On a le verbe rappeler, معناه يتذكر. كذلك قد يعني الاتصال مرة أخرى. ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يتذكر. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. On peut dire aussi, je dois me rappeler d'appeler ma mère ou elle va s'inquiéter. C'est la même chose. جملة أخرى إذا أقرضته نقودا فلن يعيدها إليك أبدا. نعم أحسنت. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. On a le verbe prêter, conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يقرض مصرف في الحاضر. On a aussi le verbe rendre, معناه يعيد, conjugué au futur. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. الآن كيف نقول هم حاولوا مساندته عندما كان لديه مشاكل؟ Oui, très bien.
Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. On a le verbe essayer, معناه يحاول. Aussi, on a le verbe soutenir, معناه يساند أو يدعم. Les ennuis, معناها المشاكل. Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. On peut dire aussi, ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des problèmes. On peut dire aussi, ils ont essayé de le soutenir quand il avait des ennuis. جملة أخرى. في الواقع لقد ضيعت وقتي معهم. Oui, très bien. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, معناها في الواقع قد تعني كذلك في الحقيقة. Et on a aussi le verbe perdre, معناه يضيع. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. الآن كيف نقول هو يشبه كثيرا والده؟ تذكرون أصدقائي فعل يشبه كنا قد رأيناه سابقا. نعم أحسنت. Il ressemble beaucoup à son père. Il ressemble beaucoup à son père. On a le verbe ressembler, معناه يشبه. Il ressemble beaucoup à son père. Une autre phrase. لقد أمضينا بعد الظهر يعني فترة الظهيرة جالسين نتحدث بدلا من إنهاء عملنا. Oui, très bien. Nous avons passé l'après-midi assis à discuter au lieu de finir notre travail. Nous avons passé l'après-midi assis à discuter au lieu de finir notre travail. On peut dire aussi, nous avons passé l'après-midi assis à parler au lieu de finir notre travail. كيف نقول هل تعلم السبب لماذا تأخر؟ Connais-tu la raison pourquoi était-il en retard? Connais-tu la raison pourquoi était-il en retard? Connais-tu la raison pourquoi était-il en retard? في هذه الجملة أصدقائي لا يمكن استعمال الفعل أو الverb savoir. لا يمكن القول sais-tu la raison. هذه الإجابة خاطئة. تذكروا جيدا أن الفعل أو الverb savoir يتبعه فعل. دائما يتبعه فعل. Par exemple, je sais nager. Je sais nager. لا يمكن القول je connais nager. هذه الإجابة خاطئة. Le verbe connaître يتبعه دائما اسم. كما في هذا المثال. Connais-tu la raison? Connais-tu la raison pourquoi était-il en retard? On peut dire aussi. Connais-tu la raison pour laquelle il était en retard? C'est la même chose. كيف نقول
لا جدوى من محاولة جعلي أغير رأيي. Il est inutile d'essayer de me faire changer d'avis. Il est inutile d'essayer de me faire changer d'avis. Il est inutile d'essayer de me faire changer d'avis. Inutile, yani bidoun faïda ou bidoun jadwa. Il est inutile d'essayer de me faire changer d'avis. On peut dire aussi, ça ne sert à rien d'essayer de me faire changer d'avis. Ça ne sert à rien d'essayer de me faire changer d'avis, c'est la même chose. جملة أخرى هي وعدتني أن ترسل إلي نقودا وأوفت بوعدها. Elle m'a promis de m'envoyer de l'argent et elle a tenu sa promesse. Elle m'a promis de m'envoyer de l'argent et elle a tenu sa promesse. Elle m'a promis de m'envoyer de l'argent et elle a tenu sa promesse. الآن كيف نقول عليك أن تمنعه من إخباره؟ Tu dois l'empêcher de le lui dire. Tu dois l'empêcher de le lui dire. Tu dois l'empêcher de le lui dire. Une autre phrase. هي كانت تنوي الاستيقاظ مبكرا لكنها ما تزال نائمة. Elle avait l'intention de se lever tôt, mais elle dort encore. Elle avait l'intention de se lever tôt, mais elle dort encore. On peut dire aussi, elle avait l'intention de se réveiller tôt, mais elle dort encore. الآن كيف نقول هم لا يتذكرون مكان حدوث ذلك؟ نعم أحسنت. Ils ne se souviennent pas de l'endroit où c'était arrivé. Ils ne se souviennent pas de l'endroit où c'était arrivé. Il ne se souvient pas de l'endroit où c'était arrivé. جملة أخرى. هو لم يعترف أنه أخطأ. Oui, très bien. Il n'a pas reconnu qu'il avait fait une erreur. Il n'a pas reconnu qu'il avait fait une erreur. On peut dire aussi, il n'a pas reconnu qu'il avait tort. On a le verbe reconnaître conjugué au passé composé. Ladayna fa'l ya'tarif musarraf fil madi al murakkab. On peut dire aussi, il n'a pas admis qu'il avait tort. Il n'a pas admis qu'il avait tort. Ici, on a le verbe admettre. Il n'a pas admis qu'il avait tort.
الآن كيف نقول إنه يستحق المحاولة أليس كذلك؟ يعني الأمر يستحق المحاولة. Oui, très bien. Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? Ou cela vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? Cela vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? On peut dire aussi, ça vaut le coup d'essayer, n'est-ce pas? Ça vaut le coup d'essayer, n'est-ce pas? Ça vaut la peine, ça c'est le verbe valoir conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل يستحق مصرف في الحاضر. مثلا يستحق العناء vaut la peine. Voilà un exemple. Le voyage vaut la peine, يعني السفر يستحق العناء. Le voyage vaut la peine. الآن كيف نقول أنا أقدر حقا أنك دعوتني يعني قمت بدعوتي. Oui, très bien. J'apprécie vraiment que tu m'aies invité. J'apprécie vraiment que tu m'aies invité. J'apprécie vraiment que tu m'aies invité. On a le verbe apprécier conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يقدر. Aussi on a le verbe inviter, معناه يدعو, conjugué au subjonctif passé. J'apprécie vraiment que tu m'aies invité. الآن كيف نقول أنت وأنا لدينا شيء مشترك؟ Oui, très bien. Toi et moi avons quelque chose en commun. Toi et moi avons quelque chose en commun. Toi et moi avons quelque chose en commun. En commun, yani mushtarak. Toi et moi avons quelque chose en commun. الآن كيف نقول نحن سنعوض لك أو سنعوض كل خسائرك. يعني سنقوم بتعويض. Oui, très bien. Nous compenserons toutes vos pertes. Nous compenserons toutes vos pertes. On a le verbe compenser, معناه يعوض, conjugué au futur. Aussi on a perte, perte yani khasa'ir. Une perte yani khasara, pluriel, les pertes ou des pertes yani khasa'ir. Nous compenserons toutes vos pertes. الآن كيف نقول أنا لدي هذه النصيحة فقط لأقدمها لك. Je n'ai que ce seul conseil à te donner. Je n'ai que ce seul conseil à te donner. Je n'ai que ce seul conseil à te donner. On peut dire aussi, j'ai juste ce conseil à te donner. J'ai juste ce conseil à te donner.
الآن كيف نقول يمكنك الحضور في أي وقت آخر؟ Tu peux venir à n'importe quel autre moment. Tu peux venir à n'importe quel autre moment. Tu peux venir à n'importe quel autre moment. الآن كيف نقول هي كانت على وشك أن يغمى عليها. Elle était sur le point de s'évanouir. Elle était sur le point de s'évanouir. S'évanouir, معناه يغمى, يعني الشخص الذي يغمى عليه. Elle était sur le point de s'évanouir. كيف أقول هو دائما يطلب النصائح عندما يحتاجها؟ Oui, très bien. Il demande toujours des conseils quand il en a besoin. Il demande toujours des conseils quand il en a besoin. Il demande toujours des conseils quand il en a besoin. كيف أقول هو يطلب دائما النصائح وقد سئمت من اتخاذ القرارات نيابة عنه أو لقد سئمت من اتخاذ القرارات عوضا عنه أو في مكانه. Il demande toujours des conseils et j'en ai marre de prendre des décisions à sa place. Il demande toujours des conseils et j'en ai marre de prendre des décisions à sa place. Il demande toujours des conseils et j'en ai marre de prendre des décisions à sa place. On peut dire aussi, il demande toujours des conseils et j'en ai assez de prendre des décisions à sa place. J'en ai marre et j'en ai assez, c'est la même chose. Il demande toujours des conseils et j'en ai assez de prendre des décisions à sa place. كيف أقول في الأشهر الثلاثة الماضية يعني ثلاث أشهر التي مضت يعني الأخيرة تغير سلوكه تجاهنا تماما. Ces trois derniers mois, son comportement à notre égard a complètement changé. Ces trois derniers mois, son comportement à notre égard a complètement changé. On peut dire aussi, au cours des trois derniers mois, son comportement envers nous a complètement changé. Je répète, au cours des trois derniers mois, son comportement envers nous a complètement changé. L'expression à notre égard signifie aussi envers nous, yani tujahana, yani ou tujahana nahn.
Au cours des trois derniers mois, son comportement envers nous a complètement changé. الآن كيف نقول؟ نحن نعلم جميعاً أنه محتال. كلمة محتال تعني الشخص الذي يخدع الناس، ينصب عليهم، يعني مخادع، نصاب، غشاش، يختلس أموال الناس وممتلكاتهم. Oui, très bien. Nous savons tous que c'est un escroc. Nous savons tous que c'est un escroc. Escroc كما قلنا الشخص المحتال. Nous savons tous que c'est un escroc. الآن كيف أقول؟ لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ مغادرتك، يعني منذ أن غادرت. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu es parti. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu es parti. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu es parti. الآن كيف أقول ليس من الضروري أن أذكره. Il n'est pas nécessaire de le lui rappeler. Il n'est pas nécessaire de le lui rappeler. Il n'est pas nécessaire, يعني ليس من الضروري, de le lui rappeler أن أذكره. On a déjà vu le verbe rappeler, معناه يذكر, قد يعني كذلك الاتصال مرة أخرى. Il n'est pas nécessaire de le lui rappeler. الآن كيف أقول هي تشكو باستمرار يعني بدون انقطاع. Oui, très bien. Elle se plaint sans cesse. Elle se plaint sans cesse. On a le verbe se plaindre, رأيناه سابقا, معناه يشكو, يعني الشخص الذي يتذمر. Sans cesse, يعني بدون توقف أو بدون انقطاع, يعني باستمرار. Elle se plaint sans cesse. كيف أقول لم يأتي أحد لرؤيتي؟ Personne n'est venu me voir. Personne n'est venu me voir. Personne n'est venu me voir. الآن أصدقائي لدينا تساؤل سهل جدا. هل يمكنك الاتصال به الآن؟
Pourrais-tu lui téléphoner maintenant? Pourrais-tu lui téléphoner maintenant? Pourrais-tu lui téléphoner maintenant? On peut dire aussi, peux-tu lui téléphoner maintenant? Peux-tu lui téléphoner maintenant? ولكن نستخدم le conditionnel présent للتكلم بطريقة مؤدبة. Pourrais-tu lui téléphoner maintenant? On peut dire aussi, pourrais-tu l'appeler maintenant? Pourrais-tu l'appeler maintenant? كيف أقول سوف تغير رأيك عندما سترى أنه لا يفي بوعوده؟ كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Tu changeras d'avis quand tu verras qu'il ne tient pas ses promesses. Tu changeras d'avis quand tu verras qu'il ne tient pas ses promesses. Tu changeras d'avis, معناها ستغير رأيك أو سوف تغير رأيك, quand tu verras, عندما سترى. Qu'il ne tient pas ses promesses, أنه لا يفي بوعوده, يعني لا يحافظ على وعوده. Tu changeras d'avis quand tu verras qu'il ne tient pas ses promesses. الآن كيف نقول نحن سنكون أكثر سعادة عندما سنكون مجتمعين في المنزل مرة أخرى. جملة طويلة, خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Nous serons plus heureux quand nous serons à nouveau réunis à la maison. Nous serons plus heureux quand nous serons à nouveau réunis à la maison. Nous serons plus heureux, يعني سنكون أكثر سعادة, quand nous serons à nouveau réunis, عندما سنكون مجتمعين à nouveau, يعني مرة أخرى, à la maison, يعني في المنزل. Réunis, يعني مجتمعين. Nous serons plus heureux quand nous serons à nouveau réunis à la maison. الآن كيف نقول لن تخمن أبدا أين رأيته الليلة الماضية. تذكرون أصدقائي فعل يخمن كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Tu ne devineras jamais où je l'ai vu hier soir. Tu ne devineras jamais où je l'ai vu hier soir. On a le verbe deviner, معناه يخمن, conjugué au futur. Tu ne devineras jamais où je l'ai vu hier soir. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول لا يمكنني التحدث الآن, أنا في العمل ولدي الكثير من المهام للقيام بها. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي كما العادة لكتابة الإجابات في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس.
أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.